Dernier échauffement pour l'équipe du spectacle de Françoise à Alice de Michael Filippo. C'est la reprise, les artistes retrouvent enfin le public. Tout à coup, là, c'est tangible. On sait que dans quelques heures, il y aura du vrai public, entre guillemets. Et ça, c'est quand même hyper excitant. Et c'est aussi ce pourquoi on fait ce type de métier, je crois. Vive retrouvailles. Côté programmation, la scène nationale Quinconce l'Espal nous promet un été vif, haut en couleur et aéré. La programmation, on la veut vraiment joyeuse, très diversifiée, avec et à la fois du cirque, mais aussi du théâtre de Cap-et-d'Épée, avec les Trois Mousquetaires dans le Vieux-Mans. Aussi des propositions très atypiques qui peuvent se passer aussi dans les entreprises, avec de la danse contemporaine et de la musique, en n'oubliant pas aussi ce qu'est la ville. On a un spectacle qui s'appelle la Symphonie des klaxons et des essuie-glaces avec des voitures. Le Mans, ville de voiture, ville des 24 heures. Il s'agit de faire aussi toujours du lien et du sens avec le territoire dans lequel on vit. Danse, théâtre et performance, au Mans, l'art se déconfine sous toutes ses formes. Par une bride à un crochet. Françoise s'agenouille, sort du panier un disque de Patti Smith Group, l'album Wave de 1979. Sur la pochette, la chanteuse rock tient une colombe blanche sur chaque main.